Pourquoi aimais-je tant cette pièce? Elle n'est pas si belle. Oh, pardonnez-moi, je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dirait pas, voici des merveilles, non. Mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme. Balzac, Baudelaire, Corneille, Descartes, Fénelon, Gautier, Hugo. Quel appel! Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Racine, ni Rabelais. Ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres. Les Anglais, on pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens, Dante. L'Espagne, Cervantes. Et nous, tout de suite, Goethe. Après, il faut chercher. Mais si on dit, et la France? Alors qui surgit à l'instant? Molière? Racine? Hugo? Voltaire? Rabelais? Ou quel autre? Ils se pressent, ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre, on ne sait pas qui faire entrer d'abord. Mais pour la musique, alors, c'est chez nous. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart. Quel nom vient le premier? Et nous nous sommes fait la guerre. Mais c'est la dernière. Nous ne nous battrons plus. Nous nous marierons. Oui, oui. Ce sera le plus beau mariage du monde. Je vous souhaite une bonne nuit. Mais il ne fit aucune allusion à cette rencontre.